Zamis famille Anouye Lekay, comment nous y est? Nous souhaitons que tout le monde en forme. Jeudi, c'est 7 novembre 2024. Côté que nous allons garder ensemble éléments de formation. Gary Conny ordonné à président conseil Leslie Voltaire pour lui écarter 3 conseillers présidentiels qui inculpés dans le rapport ULCC sous dossier et BNC. Nous rappelons côté que il y a 3 conseillers présidentiels qui étaient aller exiger à et président conseil administration BNC 100 millions de gourdes pour que il te kembe poste. N'a rappelé nous et Raoul Pierre Louis te écrit une lettre à premier ministre là Gary Conny et pour te dénoncer ça. Donc il y a ULCC qui te prend dossier là, il fait rapport et bien rapport là li et remettre et la justice donc rapport ça li nan cabinet d'instruction gagné juge Benjamin Fizemé qui gagné et dossier nan meli qui déjà voyé un pile lettre d'invitation que monsieur yo et brandi question de immunité présidentielle yo en tant que président et que juge l'en pas qu'attendé yo et parce que il y pas gagné compétence pour ça. Et bien premier ministre Gary Conny nous connaît, il t'a fait une déclaration dernièrement là dans un rassemblement que il t'a fait dans Kinskoff côté que il t'a parlé avec la population. Il a été posé la question sur conflit qui existait entre et lui-même ou bien gouvernement en place avec conseil présidentiel là. Et bien Gary Conny t'a parlé publiquement pour que lui et dit faut que conseil présidentiel là lui mettez monsieur de côté. Faut limiter, yo mettez monsieur de côté. Eh bien, Gary Conny formellement, li écrit Leslie Voltaire pour que il prenne décision. Décision pour écarter 3 monsieur Sayo dans le conseil présidentiel. Eh bien, nous connaissons que le conseil a invité Gary Conny à plusieurs reprises pour une question de remaniement ministériel. Donc remaniement ministériel là li vini c'est après ça qui t'est passé dans Nations Unies après que Leslie Voltaire était refusé participer dans quelques réunions bilatérales que gouvernement haïtien a gagné avec Brésil et avec République Dominicaine. Eh bien il t'a dit qu'il y a tête ministre qui pral couper. Eh bien Leslie Voltaire qui vient bénéficier avantage du rapport ULCC que dans moment on a parlé là c'était Smith Augustin qui était supposé remplacer Edgar Leblanc fils dans tête un conseil présidentiel là. Et bien rapport là t'est venu sorti mais monsieur yo vienne pas qu'à jouer présidence là et bien monsieur était prendre une résolution pour que yo écarter yo côté que ni Joagile ni Smith Augustin pas qu'à venir président. Leslie Voltaire prend tête présidence là. Donc depuis là que monsieur prend tête présidence là, nous voyons que Donéo changé. Nous voyons que Gary Conny était qu'on a joué dans voyager à l'étranger. Donc c'est Leslie Voltaire qui commence à prendre ça. Il voulait prendre prérogative à présidence là. Leslie Voltaire invité Gary Conny. Donc à côté que lui mandé le remaniement ministériel. Si que pas gagne remaniement ministériel, il a prévoqué Gary Conny. Il y a une résolution qui prend entre membres CPTO pour faire ça. Et bien Gary Conny lui-même cap jouer. Gary Conny chita avec toute parti prenantio, toute parti qui gagne membre dans le conseil. Là chercher renfort joindre appui moun sa yo, nous tande déclaration André Michel, nous tande déclaration que Claude Joseph lui-même ni fait. Donc fok monsieur yo écarté yo dans conseil présidentiel là pour que conseil là ka rejoigne crédibilité li encore. Eh bien Gary Conny avancé pi loin yon lettre formelle à président conseil là Leslie Voltaire pour que li écarté monsieur yo. Donc Leslie Voltaire, ay, monsieur senti le vexé. Gary Conny attaqué monsieur. Eh bien, Leslie Voltaire va passer à l'attaque. Eh bien, je dis, faut que nous disions que la communauté nationale, il faut éboucher dans la cause. Eh bien, dans le conflit qui existait, dans la famille à Noël Lacaille, il y a une réunion
qui doit fait jodi réunion ça côté que communauté internationale là c'est eux même qui dans tête réunion c'est eux qui pral et manigan ces réunion ça jodi côté que nous va rejoindre États-Unis Canada notre réunion ça avec plusieurs autres diplomates donc pour mettre Gary Coni Chita avec Leslie Voltaire sans présence trois conseillers présidentiels qui inculpés dans scandale BNCA. Donc monsieur yo pas présent dans rencontre si là. Donc content c'est seulement Gary Coni avec Leslie Voltaire. Donc ouais si vous écarté monsieur yo parce que pour une résolution, solution entre conseil là avec un Gary Coni entre deux têtes dans exécutif là parce que bagala li bloqué dans moment que on a parlé là. Transition a bloqué. Parce que Gary Coni dit formellement dans lettre là, il dit pas question de remaniement ministériel. Il dit pas une question de remaniement ministériel sans que pas gagner une évaluation qui fait de cabinet de gouvernement de chaque ministre. Il dit si que pas gain yon évaluation qui fait, il pral empirer crise que nous gagnons là, problème que nous gagnons. Problème que 70,000 moun 6 70,000 problème que 700,000 moun déplacés qui étaient la caillou. 5,500 millions haïtiens qui ont insécurité alimentaire. C'est ça monsieur mettait dans lettre là, il dit que ba l'an pral plus grave pour moun sa yo sans que yo pas fait sans que nèg yo pas évalué gouvernement. Donc selon Gary Coni, le gouvernement a bien travaillé. Et tout, faut que nous dire que gagné plusieurs ministres dans gouvernement Gary Coni là qui pas vle chuta avec trois conseillers présidentiels qui inculpés dans le rapport ULCC. Donc je dis, hein, réunion supposée faite. Au décret international, là, donc pour aller chita sur question trois monsieur. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une résolution qui joigne, une solution qui joigne dans la situation, parce que la situation est bloquée dans le moment que nous avons parlé là. Directeur général, par un directeur général, il y a un paquet de commissions qui étaient supposées faites que le conseil lui-même n'a pas fait. Vous rappelez nous sur le conseil de sécurité nationale qui va regrouper des experts. Et question de OCAG. OCAG, c'est un organe qui est là pour gérer action gouvernement, action conseil présidentiel. Donc, on va parler sur ça tout à l'heure comme ça, amis familles, dans l'autre vidéo. Nous gagnons Rosemont Jean qui fait une déclaration aujourd'hui, donc qui parlait de l'élection aux États-Unis, côté que Donald Trump qui est élu 47e président, donc a payé les États-Unis après une élection, une campagne qui était vraiment mouvementée, tu as gagné un sondage qui était très serré, mais dans mi-temps, dans le jour 5 novembre, nous avons que données ont vraiment changé, donc Américains sorti. Il a voté Donald Trump en foule. Donald Trump a gagné l'élection à 277 grands électeurs par rapport avec Kamala Harris. Zami famille Anouela Kayo. Nous voyons que Kamala Harris, donc, li relé Donald Trump. Donc, li accepté des fêtes. Li félicité Donald Trump correctement. Même genre avec Joe Biden fait li. Et que Donald Trump lui-même, l'a te perdit l'élection en 2020. Li te refusé faire ça. Eh bien, et démocrate yo, yo montré que yo prêt. Yo croit dans la démocratie, hein? Eh bien, yo relé. Donc, le président élu, hein? Yo et salué. Donc, nous connaissons que. Donc, le président lui-même, il gagne un programme que lui pral mettre sous pied, surtout sous déportation massive là, et que lui te parlé dans la campagne lien. Elle te dit c'est une action que la prend dans le premier jour que lui rentre dans la Maison Blanche là, dans le bureau ovale là. Il y a un pile haïtien qui panique, ça qui rentre dans le programme humanitaire Biden là, ça nous relé donc programme Biden là. Donc il y a des gens qui rentrent par frontière Mexique États-Unis qui gagnent
Yon Ainani Fornan Meyo qui était rentré et pas CBP qui a une autorisation mais qui vraiment paniqué donc nan moment moun yo chauffé gen en pile causé k'ap di sou réseau hein. Donc est-ce que moun sa aussi poser peur nan moment qui ça doit faire eh bien nous va commenter élément et information ça avec Paul Henri Saint-Éloi qui c'est un docteur qui gagne maîtrise droit international et transnational donc qui parle porter lumière sur question de déportation et président élu et Donald Trump là ou même qui États-Unis et qui gagne TPS qui gagne programme humanitaire là ou bien qui gagne CBP donc qui te fait asile donc est-ce que ou doit paniquer qui ça que ou même ou doit faire et n'attendez donc cette loi et qui t'a pas intervenu sur radio télévision et Caraïbes matin hein, donc ou même États-Unis spécialement donc vous voulez que autant des informations ça pour pas paniquer parce que c'est yon moun qui gagne connaissance dans ça que l'a dit hein. Donc c'est pas n'importe poste pour donc à son réseau hein, que pour le quoi parce que nous connaissons que y a pile information qui va circuler des informations surtout et qui va et fait un pile bruit sur réseau hein, et pour dire que déportation mais on va prendre vieille décision et décision ça qui vraiment mettre dans courir donc entendez Paul Saint-Éloi et après n'a venir avec la déclaration que Rosemont Jean fait jodi hein, donc comment que il comprennent et Donald Trump qui élu comme président qui ça que et li capoter donc sous politique haïtienne et nous mêmes en Haïti comment que nous devons comporter nous c'est comme ça pour nous ta comprendre question ça question panique la caimonio premièrement faut que nous ta ouais immigration sous deux phases sur le plan technique et sur le plan sociologique d'abord faut que nous ta analyser tout position Trump, Donald Trump, par rapport à l'immigration. Et parti politique qui élu Donald Trump lui-même, c'est qui type d'immigration qu'elle fait. Normalement, nous connaissons très bien que l'immigration, sur le plan technique et sur le plan sociologique, j'aime d'ab dire, il y a deux aspects pour nous considérer. Premièrement, parti politique qui est élu Donald Trump, là, qui immigration qu'elle fait? Yo fait yo même immigration sélective. Depuis longtemps, yo sélectionné qui type de monde que yo besoin et dans qui moment que yo besoin yo. Qui nettement différent par rapport avec immigration que démocrate utilisé. Démocrate yo même yo fait immigration ouverte côté yo dit tout monde bienvenue. Yo mette programme pour faire moun vini. Mais par contre, yo même c'est ça qui fait yo gagner plus moun, on va parler démocrate, yo gagne plus moun yo déporté les yo élu président sous gouvernement, pa yo yo déporté plus moun parce que yo prend tout moun net. Yo prend tout moun, c'est normal soit prend plus moun, faut qu'on déporté plus moun pour qu'a faire plus moun rentrer. Donc pas position Donald Trump par rapport à immigration, c'est débarrasser pays hein, de immigration illégale. So, j'aime de dire ça déjà depuis le programme humanitarian pour la te démarrer. Moi, dit clair que objectif États-Unis par rapport à l'immigration, c'est débarrasser de l'immigration illégale, retirer tout le monde qui est légal sous territoire là. Donc, le monde qui est légal, est-ce que c'est le monde qui vient dans Biden? Est-ce que c'est le monde qui est TPS? Là, c'est une grande question. Par exemple, pour ou légal ou anti commun qui rentre dans humanitarian parole jusqu'à ce que yo coupe programme ça ou légal sur territoire là ou pas gagne grand problème ou ka circuler ou ka travailler etc. Donc on y a si Donald Trump par rapport avec pression que il t'a exercé li coupé programme ça d'ailleurs comme on connaît son executive order dans executive order à n'importe quel président qui montait capable décider couper c'est même genre avec la caïn ça nous relé un arrêté présidentiel son président qui baili un président qui a décidé couper à n'importe quel moment donc on y a s'il couper moun qui là on dit qu'on t'a fait TPS mais pour TPS là ou là pour jusqu'à 2026 soit 3 février 2026
Donc pendant 3 février 2026 là, tout au coup petit pièce là, toujours gè statue ici, ça fait me dire mon yo, pas fait tête chaude, pas courir prendre une série de vieilles décisions qui peut-être pas bon pour nous. Donc plutôt non chercher pour nous mettre non légal. Donc tant que nous chercher mettre non légal, li pi bon pour nous. On nous dit que ou vini sous Biden, programme n'a pral fermé, yo dit la fermé ou bien ou rentrer pendant période qu'on rentrer là. Pas été bon pour faire sur le territoire là, li expiré. Eh ben si on te bénéficie TPS pendant période côté là appliqué pour TPS. Parce que TPS là même là on va le révoquer, on va le révoquer. Mais pendant on va le révoquer TPS là, ou toujours là, on gros bagaille toujours. Si toutefois en Haïti ou t'es persécuté. N'aime pas des persécutions, on va dire le gars ou qui a volé sous dos caïmon. Non, t'es persécuté, t'es gros menace sous tête tout ou t'es sous tourner dans pays à tout cas faut qu'couler à ma, eh ben dégagez ou qu'a des preuves pour montrer effectivement qu'on t'est persécuté. Fais asile en attendant que on cherche pour joindre un statut ici. Mais pas encourager aucun monde fait stress touyer non. Parce que première grande bagaille, en pile monde arriver comprendre c'est le ou mettons dans situation pour faire stress touyo pour mettre l'autre maladie la caillou. On dit que depuis longtemps immigration pas nécessité pas jamais mon pas jamais veut well dans la caillou. On dit même sur le plan biblique moi crois dans Matthieu 15 verset 26 li, Jésus dit alors moi c'est ton sédonienne qui dit qui vient chercher Timoso pain en bas table. C'est vrai, c'est pas prendre ça juste pour montrer c'est une déception que Jésus t'a fait, mais Jésus montre que le pas prendre un petit pain pâle pour la gueule bay chien la bay petite li. Ça veut dire qui ça le vini dans pays. Ou venez dans le pays, ou venez chercher, c'est chercher, ou venez chercher. Donc, mais, moun qui fait dans le pays, y a toujours des priorités sur, parce que c'est dans le pays, y a des priorités sur même. Eh bien, ou même qui sauve, comme d'abord des pasteurs, c'est Amos, former tout, premièrement, mettez moyen au moins, pour capable apprendre à l'école, travail, etc., régulariser situation, pas marcher et sans permis ou à conduire, pas boire que les rênes là dans la rue pas droit conduire, tout ça qui permet ou faire un nombre de temps dans pays ou pas joindre persécution. Moi pense persécution ou pas commencer démarrer, c'est à partir de comportement pas non. Si nous mal agissons, c'est normal que la loi marche pour nous. Par exemple, il dit souvent qui sert bien son pays n'a pas besoin d'ailleurs. Donc, si vous êtes servi pays, ou bien si vous faites tout bon bagage, pas besoin d'un chef bout de bâton pour graser. Oh, et où qu'on est? Allô? Oui, allô? Bah, quand tu t'entends bien, non, cher maître? M'entendez ou bien. OK, très bien. Alors, il y a un pile monde qui pas trop comprendre question déportation et mettre Saint-Éloi. Par exemple, il y a deux monde qui gardé sa cap fait au niveau de la République dominicaine et côté que y a pimpé haïtien tout n'est pas bandi pas paquet. Il y a deux monde qui met dans tête yo que et aux États-Unis bara l'attaque a fait comme ça tout et de là surgit un paquet d'inquiétudes bon côté de monde qui fait rentrer et là-bas. Expliquez mon processus et pour t'arriver déporter mon États-Unis et qui j'en lié et est-ce que le différent par rapport à Jean que la fête Saint-Domingue cap marché migration marché pour monde mettre dans camion puis me tourner pas bon ici. Expliquez mon ça mettre là. Yeah. OK. Merci. Alors premièrement, question déportation hein, pas faite du jour au lendemain. M'a prend sur trois phases. On prend phase côté le monde traverser frontière là, il rentre ici. L'elle rentre aux États-Unis. Ici c'est une organisation qui rentre, il y a parole. Yo bon à I-94, yo dit mais quand il était temps que au café sur territoire là. Mais I-94 là que au bon là, il doit pas pour 1 an ou il doit pas pour 2 ans. Quand il y a mon sac qui a une fois, il y a tout voyé dossier devant le tribunal. Il y a bal, il y a bagaille qui relaye notice to appear. On notice to appear, c'est équivalence, il y a ordonnance de renvoi en Haïti. Par exemple, il y a bon papier pour aller devant le tribunal. Ça relaye ordonnance de renvoi.
Kounya avec ordonnance de renvoi ça yo voyo devant juge. Yo doké tout sous système là, ça veut dire enregistré sous système là. Là enregistré sous système là. Kounya ou gagnent yon l'heure pour présenter devant tribunal. L'arrivée devant tribunal ou faire un premier master hearing, un deuxième master hearing ou jusqu'à un troisième master jusqu'à ce qu'on arrive dans final hearing. Ou bien dans yon jugement final. Master hearing yo c'est l'on présenter devant juge là pour le temps des questions. Kon ya ou fin fait master hearing yo, yo voyon nan jugement final, si toutefois ou pas arrivé convaincre juge k'ap tande ou là. À ce moment, yon metton sous déportation. Mais l'on rentre, dès qu'on rentre sous territoire là, ou sous processus de déportation. Mais c'est jusqu'à ce que yon juge ordonné qu'il est yon doué déporter. Yon dit, mon cher, yon déporter, qu'on y a, yon bon, yon papier qui dit yon déporter qu'on y a. Mais ou quitte, yon bon ordre de déportation. Ordre de déportation en amont qu'on y a, ou déportable. Yon metton, yon dit, mais là, on quitte le pays. Mais tout le temps que ou pourquoi passer devant un juge pour ordonner déportation ou pourquoi déporter ou toujours sous ou toujours là dans pays qui a fait quatre travail ou sous gain asile qui a fait quatre travail ou qui travail etc. Ça c'est pour monde qui rentrait illégal yo qui pas gain rien dans mer. Alors dit que monde qui rentrait sous Biden sous humanitarian parole. Monde ça qui rentrait sous humanitarian parole li gain un nombre de temps que bord pour faire sous territoire là. Parce que depuis l'on a rentré au bon I-94, qui dit ou capable rester sur territoire là pour 2 ans. Pour y aller 2 ans, ça a fini. Sou pas capable d'ajuster statut rester. Si toutefois, ou pas de bien fait, tipi, est-ce qu'il y a un petit prolongement si jamais yon coupé, si yon jamais yon coupé, de tout à l'heure, pas coupé, ou toujours là, sous te fait tipi, yes. Si toutefois, tout, ou pas de rien dans mer ou dit bon t'es persécuté en Haïti moi fais asile donc à ce moment yo pas ka courir sous fa asile pour déporter comme ça d'ailleurs asile que moun qui rentre sous Biden nan fait c'est asile affirmatif c'est pas asile qui parle devant tribunal c'est asile qui parle devant officier d'immigration parle pas son interview c'est si dans interview ou pas bon dans interview a qu'on y a le ça ou qu'a fait appel ou bien envoyer dossier directement devant juge qu'on y a juge d'appel et commencer et mettre rendez-vous pour présenter devant qu'on y a pour venir expliquer raison qui fait ou pas retourner dans pays ou mais c'est pas comme ça y a pleuvé prendre nous j'ai dit ah non ici loi ou pas changé même le c'est dans campagne Donald Trump il t'a dit ça même parce que ça aussi c'est des promesses de campagne que le t'a fait juste pour faire mon voter mais juste il faut que vous respectez loyaux là donc quel que soit genre yé son nèg fait comme ça il y a challenge ou devant tribunal il y a challenge devant suprême court ou pas qu'à lever comme ça pour faire pour lever pour prendre mon yo genre république dominicaine a fait yo non ici c'est ICE qui a arrêté mon par exemple leur ordre de déportation c'est ICE son bras c'est comme si c'est des CPJ qui cherchait côtoyer d'ailleurs que qu'on adresse où yo joint nous yo arrêté yo à l'avant mais faut gon ordre de déportation tout on pas gain ordre de déportation ou pas coca yo pas coca déporter c'est ordre de déportation qui pour permettre de déporter non et mettre Paul Henri Saint-Éloi andi moun qui bénéficier de programme Biden yo humanitarian parole là et le monde ça appliqué pour TPS et combien de temps ça prend que monde joigne et TPS là et bon pratiquement le monde appliqué ou quel que soit dossier qu'on voit dans immigration ou gagne de on dit 30 jours jusqu'à 45 jours pour envoyer un récipient pour envoyer un récipient notice ça veut dire envoyer une correspondance pour qui dit que recevoir dossier sont fait en ligne donc même quand on fait là c'est ça en ligne qu'on fait yo voyer même côté à pour que on dit que yo recevoir dossier yo schedule ça veut dire yo planifier yo bon yo date pour aller faire prêt. A dit que ou fait après tout après emprêtement aurait été tant li ka prend un mois li ka prend 2 mois li ka prend 6 mois li ka prend 8 mois li ka prend 1 an tout ça dépend de
et gens officiers qui sont dossier à travail, gens immigration à travail, parce que immigration full avec dossier, rempli avec dossier, il y aura pas arriver sous. Mais pendant ce temps-là, par le fait qu'on applique sous TPS, décision à beaucoup rendre pour dire sous éligible, sous pas éligible ou pas, ou pas déporté comme ça. C'est même gens l'ont fait asile, vous voyez aller, vous voyez, on reçu, bah, ok, Dieu, on recevoir asile, ouah. Mais on pas qu'à lever du bonjour au lendemain, du jour au lendemain, puis on dit, mon cher métro dehors, non. Faut ou retetan, yon décision. C'est décision, ouah, pour gagner un mec qui dit, est-ce que yon accordo, ou bien yon pas accordo. Si yon pas accordo, laissez-en apprendre qui ça pour faire. Mais moun qui applique pour TPS, yon, yo apretan à ce que yo approuvé yo approuvé la notice pour yo pour dire que approuvé yo de telle date jusqu'à 3 février 2026. Yo mette et Saint-Éloi m'dalen mon gars adresser ça pour nous rapide. Par exemple, un monde qui bénéficie programme et humanité à parole et Joe Biden nan, et est-ce que c'est après 2 ans que li éligible pour TPS ou bien est-ce que pendant que l'on est rentré aux États-Unis, même l'on peut gagner 2 ans aux États-Unis, est-ce que l'on a tout appliqué pour TPS là? Yon monde qui rentré sous territoire, que l'on est sous Biden, que l'on est rentré sous visa, sous n'importe bagay. Depuis jour, yon fait fédéral notice la sortie qui dit que yon bay TPS. Parce que yon bay TPS, yon bay de pour une période bien déterminée. Yon dit par exemple, TPS sa qui bay là, yon dit yon bay li par exemple, on dit c'est on dit jodi a dit au TPS yo TPS 7 novembre 2024 pour le fini en par exemple mars 2027. Et ben TPS ça si 7 novembre là prend ou ici jour au baoul là quel que soit statut côté gain côté soit asile côté rentre ou pas de rien en mort qui était sous visa qui était sous ou t'es rentré sous humanitarian parole ça ou les programme Biden là ou éligible pour les mêmes donc ou appliquer depuis tout depuis date yo ba TPS là ou t'es là pas que question 2 ans yo ba ou pour te faire pour appliquer depuis date là t'es prend là ou éligible ou qu'à appliquer pour les mêmes. Vite gain de monde qui parlait de monde qui passait par Mexique et gain de monde qui passait par Mexique yo gain de monde qui dit que yo gon quantité de temps que y a prend pour que y aller devant tribunal pour justifier et bah asile yo de bah de ce genre et ban une explication de monde ça par rapport à risque de déportation là. OK. Monde qui rentré qui passait sur frontière que ont été vérifié yo que ou pas de vérifier ou aux États-Unis. Donc on a dit que on vérifie ou yo voyez dossier même quand on vérifie là on voyez dossier à un nombre de temps devant tribunal pas bien leur rentrer c'est parce qu'on doit persécuter dans pays côté ya ou pas capable retourner là dans encore premier soir doit faire ou doit checker un avocat ou bon monde pour faire asile pour on qui connaît pour font asile pour font bon asile pour faire sortir persécution là donc c'est pas mon pral bon histoire ou même moi chita avec mon nom avec expliquer persécution hein, etc pour yo capable monter asile là pour bien monter asile là qu'on y a voyé dans tribunal de jour qu'on voyé asile là les recevoir là yo gèt an docket ni sous système là l'autre gèt an docket sous système là de jour ça là c'est comme un réveil qui commence à contrôler pour commence à contrôler de 1 à 150 jours. L'autre qui est sur système non ou 150 jours ou appliquer pour 4 travail. Jusqu'à ce que loi ça passe loi ça pas qu'il est toujours là en vigueur. Donc l'on fin appliquer pour lui après 180 jours ou a besoin de 4 travail. 4 travail ça pour 5 ans. En attendant que ou gagne rendez-vous dans tribunal. L'on gagne rendez-vous dans tribunal. Ou qu'a fait premier master hearing ou qu'a doit aller à l'avocat ou qu'a doit pas aller à l'avocat tout. Comme ça tout, ou qu'a aller pour compte ou soit aller pour compte, il y a dit bon prochaine fois qu'on va venir avec avocat. Le soir font premier master hearing ou font deuxième master hearing, juge la Carconia dit que bon méthode non, il y a troisième master hearing ou bien un final hearing, ça y aurait le jugement final. Dans jugement final ça, c'est là juge la pral rendre sentence pour dire est-ce que ou yo meto sous déportation, est-ce que yo ordonné déportation, bien entendu, ou bien est-ce que yo bon asile là? Nan kèk yo ordonné déportation,
si ou te gen tan fè TPS, TPS te gen tan jwenn nou la, même le ordonné déportation, mais TPS la kembo ici parce que ou pa ka déporté. Donc pendant tan ko la, yo ordonné déportation, yo di que faut quitter pays a, mon gon l'autre statut qui kembo vivant dans pays a qui c'est TPS. Donc yo pa ka déporté sou gen TPS la dan mais. Kounya si yo vinn couper TPS la. Après ti pièce ta fin expiré donc yo pa renouveler la encore pour Haïti yo pa bailler qu'on y a le ça ou vinn pa gen statut ici mais pendant tout temps monter descendre devant tribunal là même le groupe ti pièce ta si ou groupe ti pièce là pa gen problème ou pa ko gen rendez-vous compte dans si loin dans tribunal là ou après t'attendre pour juge la relo tout en juge là pour que j'en ordonné pour déporter ou pa besoin faire tête chaude ou mettre tête travail faire quatre travail ou yo pa ka pour un conseil pour mettre dans machine j'en ou faire la République Dominicaine là pour yo voyer ou aller. Avocat Saint-Éloi, les amis famille Amoué Lacayo, donc qui est bail en pile la précision, donc ou même donc États-Unis, parce que loi États-Unis en lui-même lui est pas changé, donc selon ça que ambassade américain et lui-même lui était publié, n'a pas rappelé nous 5 novembre non, et côté que yo te dit nous que loi États-Unis sur immigration yo donc yo été strict pas gain aucun changement dans loi sur immigration et tout suite après élection 5 novembre États-Unis donc autorité va continuer mettre dehors sans perdre temps tout le monde qui rentre aux États-Unis dans façon illégale qui pas passé dans port d'entrée la loi tabli yo. Donc c'est ça que nous avons ambassade américaine lui-même t'a publié 5 novembre qui saute passé là pour montrer que jusqu'à présent pour qu'on gagne aucun changement qui fait dans loi immigration. Donc même qui t'est rentré dans programme et Biden non, j'aimerais le programme Biden, programme humanitaire Biden non. Donc ou même qui t'est rentré dans CBP, qui t'est rentré dans un port légal, donc ou pas gagné pour faire tête chaud, il suffit que nous connaît que et DHS et côté que et Mallorca l'été et dit non tout le monde qui entre sous Biden que citoyen haïtien yo même pas renouveler parole humanitaire là pour nous donc du tout temps que donc ou pour arriver dans date expiration ou toujours légal et bien TPS ou qu'a fait TPS pour que ou traverser sous TPS si que pour faire et si que ou gagner un an et ou pour gagner un an donc dans pays ou qu'a fait asile ou ka fait un asile donc pour changer statut et si que ou jeune monde pour marier ou ka marier tout donc pour que ou gagne un autre statut donc si que ou voulez rester donc dans un pays moun yo parce que c'est pas pays pas nous que lié c'est la vie que nous venons chercher comme ça tout nous ka déplacer donc c'est pas vie rester ou ka retourner donc dans un pays yo alba et pression là sur gouvernement ça ka bataille entre yo et Gary Kone qui vient gérer une transition là lui-même avec CPT1 pour que yo bay sécurité nèg yo gagne 6 mois là et c'est peut-être gain 6 mois gain 4 mois donc pas gain rien là nous qu'a fait c'est bataille que monsieur a bataille entre yo donc pour ou même peut-être ou t'a dit que pas prêter États-Unis faut qu'on retourne dans pays mais retourner comment que on va vivre parce que pas gain une situation qui établi rien pour qu'on changer donc c'est bataille que monsieur a bataille entre yo et bien donc nous gain Rosemont Jean qui était intervenu donc dans micro à Noël Lacaille mais Rosemont Jean t'ai parlé comme ça que moi pral inviter étant li position li clair donc sous élection ça qui sont passé et pendant que li voyons message en piment bouc tout donc sous soi-disant autorité dans la cour pays d'Haïti et qui a bataille entre yo donc pas gain sérieux qu'a fait et surtout donc la police qui dit que yo prend contrôle plusieurs zones opération parce que nous voyons que Solino sous attaque gang Vivant Samyo et Nambel et dans Delma 24 et tout ça donc c'est monsieur Vivant Samyo qui a frappé et surtout situation dans la Tibonite toujours été compliqué dans moment que n'a parlé là donc en nèg la croix périssio nèg encore sans rassure toujours ba en pile problème nèg ça vient toujours ba problème donc la police là malgré les sous plusieurs fonds à la fois donc situation pour qu'on amène donc nous gagnons force multinationale donc c'est pas rien sérieux
que force ça la régler peut-être li pas et réaliser ça peut-être à tout le monde et que t'a vinn fait tu penses que l'a vinn tirer coup de balle avec bandi yo mais li pote appel quand même avec police là li vinn bay police là on dit plus parce que nous police là sous plusieurs fronts à la fois et toujours avec la police. Eh bien entendez Rosemont Jean qui ça que li pote pour nous et jodiant donc des déclarations que li fait par rapport à l'élection qui a déroulé aux États-Unis. Il y a des gens qui disent l'élection a fait aux États-Unis, qui ça nous répondre avec l'élection aux États-Unis. Moi-même, dans l'analyse, dans la réflexion, je dis d'abord, l'administration Biden, l'administration américaine n'a beaucoup plus intéressé nous. Le pourquoi? C'est parce que les dirigeants américains ont transformé Tétio en dirigeant Haïti. Ça veut dire. Politique américaine, ça fait nous prendre à cœur parce que toute situation que Haïti a connue là, question insécurité, non, je ne dis pas question seulement, ce n'est pas simplement insécurité, mais maintenant je dis situation de destruction d'Haïti, elle dépend d'abord de la politique américaine à exercer en Haïti. Si c'est la politique, administration démocratique qui mène nous côté de l'UEA, c'est gestion qui mène nous côté de l'UEA, si c'est prise de décision qui mène nous côté de l'UEA, si nous faisons politique en monde responsable, nous tenons compte de monde qui a venu et qui a gagné pour la charge pour remplacer Biden. Bon, moi-même, position à plusieurs reprises, j'ai souhaité un Donald Trump, un retour de Donald Trump. Il y a des gens qui proposent hypocrite, ils ont dénoncé Donald Trump, le fait que Donald Trump te dit Haïti tourne en saleté. Mais pour moi, c'était pour fêter orgueil. C'était pour fêter orgueil. Les parents, les gens qui parlent de Dieu avant des fois, c'est parce qu'on a une opportunité pour ça. Vous comprenez? Ça veut dire, pour moi-même, l'élection sacrée là, nous pouvons servir d'abord un coup de l'eau frette pour vider dans de l'eau chaude Biden d'après régler en Haïti. Parce que nous avons dit, voter Kalamari et Kamala, c'est voter la continuité de destruction d'Haïti. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas l'initiative de marche Biden, c'est des bagailles qui viennent qui peut avoir de grandes conséquences sur l'avenir, nous, sur l'avenir pays, nous, sur l'université, nous, sur l'école, nous, sur la famille. Parce que c'est après 5-10 ans que nous allons connaître Bagay Biden, ouvrir porte, créer conditions pour gagner un petit pays, un petit pays, pour avoir tout cadre, compétences professionnelles, maçon, ingénieur, infirmière, médecin, avocat, tout le monde qui est dans la fonction publique, dans le privé, dans la banque. Tout cadre ça yo ouvrir pays a nous créer conditions administration Biden a créé conditions faire quitter pays a ça veut dire même professeur ta pour venir préparer monde ça yo aller par contre si me comprendre non qui connou avec sous besoin yo ou pas besoin bon boss maçon ou pas joindre c'est charlatan presque ou pas joindre sous ou pas besoin un bon ingénieur ou presque pas joindre parce que ou vinn pas gain professeur pour préparer futur là. Ça veut dire c'est là nous-mêmes nous te dit et l'important pour que tu aies un changement dans la politique américaine non? Et là moi-même t'étant de mon joué Biden et Donald Trump moi dit c'est parce que nous ne pas la hauteur pas une dimension puis on comprend ça qu'a fait là nous pas dit Biden Donald Trump a venu nous bagarre pour nous autres haïtiens mais Donald Trump va le bail tête l'émission pour occuper le des services pays question immigration la Cali, question guerre Ukraine etc. question situation économique la Cali qui sont désastres. Il peut prendre temps ça pour l'occuper pays et puis moi-même peut-être laisser ça on peut jouer une opportunité pour me régler la Cali. Ou imaginez qui réponse élection Donald Trump là bas même un paquet nèg en Haïti qui te dit Guy Philippe saute en prison, Guy Philippe t'es pas qu'un président, Guy Philippe pas qu'un ceci, Guy Philippe. Donald Trump bataille contre 134 chefs d'accusation criminelle. Donald Trump paye l'argent pour le parler en prison. Ça veut dire que nous sommes prisonniers.
Par contre, si nous comprenons, non? Donald Trump goumé non seulement avec le système, non? Mais Donald Trump tout porter un démenti formel à moun avec un ensemble de moun qui t'a utilisé une partie, majorité presse américaine, pour détruire Donald Trump. Par rapport à l'ennemi, par rapport à Vision, par rapport à Salkoué. Hein? Alors que même presse ça cap détruit Donald Trump là, et puis il pas ouais mode de gestion Biden là. Avec il y a vendre au diable pour bon Dieu et puis il y a combattre Donald Trump en comprenant c'est Donald Trump qui va gagner. Moi je pense élection américaine là, élection ça capable permettre automatiquement Biden et Donald Trump prend possession, prend installer dans démarche qu'a fait auprès de lui parce que nous parler avec un pile monde qui dans campagne lui qui dans république qui dans secteur qui dans parti républicain tout nous parler avec des camarades par rapport à position de en Haïti des pile dans yo qui était essayer aborder nous parler avec nous par rapport à ça nous penser qui attend nous par rapport avec Donald Trump attend nous tant qu'on dit nous carrément administration Donald Trump là mettre l'ordre sous port à frontière côté armes munitions absolue aux États-Unis en Haïti. Si on rend nous service ça seulement, quitter nous pour massacrer déjà là yo, mais empêcher l'autre arme rentrer dans pays. Ouais ça me dit moi, empêcher munitions parce que si nèg la pas acheter balle, il pas acheter munitions pour venir vendre parce que c'est pas américain qui a vendre balle yo, c'est même nèg qui soit disant du diaspora qui a acheté dans même. Eh bien, prends une décision formelle pour t'empêcher haïtien mauvais criminel ça yo. Acheter munitions, examen pour vendre bandits, garder politique dominicaine pour nous, que la République dominicaine ouvre frontière pour permettre que les armes et munitions entrent. Pendant ce temps, la fait ingérence, la déporter le monde, la parler d'Haïti, les moutons, tout le côté d'Haïti représente l'État et participer dans la question insécurité en Haïti. Pourtant, source véritable qui a financé, qui a propagé, qui ouvre fenêtre pour les armes entrer, c'est la République dominicaine. C'est pour raison ça, c'est ensemble des raisons ça que nous dit. Nous supporter élection Biden élection Donald Trump là pour nous mêmes c'est une victoire même pour peuple américain parce que peuple haïtien refuse lui-même engager la caille pour mettre l'autre la caille pour qu'elle mette l'autre caille nous pas mettre toute caille nous dans la caille ça comprenez avec le premier côté pour mettre l'autre Donald Trump dans bagaille il dit premier bagaille pour mettre c'est pays où leurs dirigeants ou son leader premier monde pour premier nous nous devons mais c'est pour mon lacal pour premier côté au bruit de vie ou c'est pour payer ça veut dire toute initiative Donald Trump tape c'est des initiatives calées au profit peuple américain nous ne pas voter américain et Donald Trump pour Haïti ne pas voter pour aucun côté mais ils votent pour les États-Unis d'Amérique je dis nous voulons que administration Donald Trump prend tout bah nous opportunité quitter nos exploiter opportunité quitter nos jours droits que nous gagnons pour nous mettre yon moun que nous croyons qui est capable de répondre à désirata de la population. Très bien. Réaction population témoigner que ensemble d'informations que la police a bail là information c'est des informations erronées c'est des informations qui pas gain vérité la donne ou du moins c'est des informations pour calmer les esprits. Mais en réalité, la police n'a pas besoin de faire sauter vidéo. Elle pour zone pour la population elle prend, pas vrai? Il n'y a pas besoin de ça, non? N'est-ce pas? La police prend une zone, il y a un contrôle. Il y a un contrôle, c'est garder, ou garder, ou après les gens qui étaient dehors, à bout de rentrer. OK après moun ki t'a dormi nan théâtre national k'a dormi devant palais après tout moun sa yo paquet sous tête yo t'est sorti ou après y'a rentré et puis c'est ça ou même moi seulement passé ni quoi et puis population après les vivre la police a dit merci grâce à la police nous tourner la caillou mais jodi a metté qui comprend des filles a passé ni connu moun pour nous que la police mène la caillou ça veut dire pour moi même et c'est raison ça qui fait la police gouvernement t'es mis pression sur presse et médias en ligne, comme on t'a toujours dit, c'est juste pour nous, pour la population, pas que ça relève information réelle, en temps réel. Avec les gens qui est pour information, la police dit, avec l'air, c'est en temps réel, tout pour nous, il n'y a pas de monde. C'est des informations truquées, c'est des informations qui pas chita sur la vérité. Et puis, pour nous, là, demarche population a boté mais tout est clair sorti
témoigner que effectivement pas gagné cap fait parce que les bagages cap fait ou même pour contrôler médian ligne ou après entrer dans zone ou va filmer tout côté des assauts dépassés et puis n'a besoin une autorité la police là qui nous prend contrôle qui fait base et puis monde qui était dehors après ramasser à tourner la caillou mais je dis c'est pas le cas et c'est ça que fait nous mêmes nous dit et attendre nous c'est permettre que Donald Trump installé il prend charge retirer les raquettes démocrates qui sont dans l'ambassade américaine et les Anthony Blinken qui prend le pays en otage que vous connaissez effectivement ce qui a fait ça qui a fait là avec objectif celle que même connaît pour qui ça moi même moi dis encore je dis ça pour la police fait ça pour l'armée fait ça pour le gouvernement a fait pour reprendre contrôle ensemble des zones ça il faut qu'on même réfléchir sur lui voir pour mettre en application tout ça qu'a fait là c'était c'est pour la galerie parce que monsieur il attend à ce que conseil de sécurité l'ONU transforme force multinationale en force onusienne pour être capable plus confortable tout autant ça pas fait ou après nèg yo même encore y a mettez pique en point là pour faire la police a tirer bandi a tirer pour faire l'obéir juste pour justifier pour blanc ouais que nous dans situation alarmante et puis au même pour capable prendre décision voter résolution États-Unis Équateur et heureusement j'ai un pile monde qui parle pas d'accord ensemble avec position en faveur de Donald Trump plein connaît et Biden qui s'alte t'a fait pour Haïti ouais, et puis et Donald Trump même pendant tout parcours campagne il était mettait accent sur des déportations massives que le gars fait soit haïtien qui est allé soit dans Biden ou bien haïtien qui pas des pièces qui illégal et aux États-Unis son vrai leader son vrai leader ou pas suivre courant ou fait à ce que positionnant ces monde qui suivent vous comme leader bah j'aime proposition mon envie tendez mon ta remet tendez position c'est faire c'est la réalité c'est vérité ça qui vérité il y a combat Donald Trump haïtien prend la rue avec Jimmy avec Tony Mix fait tintin a fait l'obéi alors que la caille pas écrasé américain pas voter Donald Trump pour intérêt Haïti pour intérêt haïtien que aux États-Unis si haïtien besoin monde pour voter s'il besoin un monde qui pour défendre intérêt pour le retirer à la caille, pour garantir sécurité, pour mettre la paix, pour rétablir l'ordre, pour rétablir sécurité, notre seul choix, c'est venir mettre main pour nous battre pour sauver Haïti. Donald Trump, Obama te déporte plus pour que Donald Trump. Ok? Dans l'élection. Ça veut dire, par contre, ça y a dit, c'est parce qu'il n'y a pas la hauteur, il n'y a pas de dimension pour comprendre qui fait aujourd'hui le compte Donald Trump pour Biden. Biden n'a pas le haïtoise, il n'a pas révolté. Parce qu'il a révolté comme Biden qui dit la déporté. Et comme Donald Trump qui dit la déporté. Pendant Biden au pouvoir, il a déporté le monde. Mandat fini, avion a déporté le monde au cap haïtien. Ça, on dit non. Je pense que le combat, c'est nous qui pouvons venir pour nous construire la caille, pour nous mettre la caille. Rosemont Jean, amis familles New York, donc Rosemont Jean, donc qui parlait, donc c'est comme ça. Et déclaration Rosemont Jean, yo vini, donc li parlé sur l'élection. Et l'élection États-Unis, hein, donc c'est Donald Trump qui est président, donc un pile haïtien qui a un problème, un pile migrant qui sans papier qui a un problème actuellement là aux États-Unis parce que Donald Trump dit tout le monde qui sans papier, donc il va déporter. Ou même, est-ce qu'on peut, eh bien, et nous pas quoi que ou supposé donc en courir donc en sécurité entre légale que si parole humanitaire là pour expirer sécurité ou soit asile ou a besoin paix OK ou a besoin paix c'est tranquille donc pas occupé donc vague monde et qui pral fait et qui pral partager information qui pas vrai donc en sous réseau hein. Donc c'est suivre page nous connaît qu'a bay bon gens information donc pour que ou pas paniquer donc on est que l'autre temps des monde ça li bay yon information que information ça donc li a bon pour ou pas mettre nan courir zami famille nou yo et si que ou ta renmen fait question de immigration donc ou ta renmen donc en gérer ti piès ou pour qu'on fait ça donc relé nan numéro qui a passé dans en bas écran donc relé donc y a ka gérer question de immigration pour ou même qui États-Unis qui nan
problème. Eh bien, si vous pouvez abonner avec Chanel, ça nous invite à faire ça. Appuyez le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Pour qu'on vienne faire partie de famille à Noël à Kaya et nous saluer tous les amis nous qui un peu partout dans le monde là qui est habitué avec le travail qu'on a fait. Donc, si et ou aimer travail ça, donc abonnez, faites le bouton de notification. Quitte à moi-même, ou après, je vous rejoins dans la prochaine vidéo et à la prochaine.